Salut tout le monde, comment vous allez? C'est votre humble serviteur. Comme je suis très chantant ce matin, avant de parler, de vous dire le pourquoi et le comment, c'est dans cela on fuit et vous fredonnez un peu la chanson, pour ne pas dire les chansons de deux artistes que j'apprécie bien. Maman Georgette et Eto, aïe, maman Lili et Tiaé, ah, maman Georgette et Eto, aïe, maman Lili et Tiaé. Yeah, Arafat et Mona, yo, Oyamoulou, coucou DJ. Oh ya docteur Vera, papa satellite et maman Germaine et Bisanga. On appelle pour Jonathan. Oh ya Jonah, 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 Jonathan. Oh. Jolie Amina, hey, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagarre. Je suis un petit aussi, c'est pas de ma faute. Colonel et le beau-frère, elle est déchaînée. On se pourrait appeler le générique. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Elle progrès, progrès, à la base. Je possède, à des virements, des virements. Bon retour, les gars, c'est votre homme serviteur Héritor. Vous connaissez, ça chauffe pas. J'étais là, comme ça, je crois, hier ou avant-hier. On m'a envoyé un texto sur WhatsApp. Héritor. C'est que les deux dansettes de la Yoruba ont fui, non? Il dit, ah bon? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il veut le caler comme à Lingo et Cher en Poutou aussi? Ah, c'est bizarre. Trop de choses, les amis, trop de choses. Mais en même temps, il faut dire que c'est quand même pathétique, hein? Voilà, parce que les mecs, ils lâchent leur boss d'un moment très difficile de sa petite carrière. C'est décevant, parce que je ne peux pas comprendre que le mec va avoir pitié de vous, se débrouiller, faire vos passeports, demander votre visa, payer vos billets d'avion, en tout cas, prendre tout en charge, vous habiller, vous payer tout ça, et puis vous allez fuir. Franchement, je n'ai pas les mots. Mais même si je n'ai pas les mots, je pense que j'ai beaucoup à dire aussi. J'ai beaucoup à dire. J'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Parce que je ne veux pas concevoir que ce genre d'acte-là se reproduise toujours. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord commencer sur le cas Serge Benoît. Bon, Serge Benoît a eu un cas. Serge Benoît a eu un cas. Ben, on le sait tous, c'était à cause d'une histoire de femme. Le mec, il avait sa chérie là-bas, qui lui a proposé de rester avec lui parce que amoureuse de ce danseur. Le mec aussi, il a décidé de caler sans problème. Ça n'a pas fait le tapage. Comment on s'appelle? Serge Benoît n'a pas fait le tapage. Ça lui a fait certes mal. Et ce danseur-là, comme quoi, a trouvé des arguments pour dire que c'est parce qu'il n'a pas la place qu'il mérite. Serge Benoît fait des différences entre les danseurs. Ce qui est faux. La vraie histoire, c'est que le mec entretenait une relation avec sa chérie à distance. Et Serge Benoît lui a fait la grâce de l'envoyer en Europe. C'est ainsi qu'il l'a calé. Et si vous avez bien remarqué, ça n'a pas duré. Il s'est marié avec cette dernière-là. Voilà. Pour vous dire que quoi? C'est vrai que nos artistes ont certains défauts, mais moi, je pense que le vrai problème, c'est les danseurs. Voilà. Je ne veux pas concevoir que vous allez pleurnicher auprès d'un artiste pour qu'il donne la chance de danser derrière lui. Et puis, vous venez le lâcher comme ça en pleine course. Franchement, j'ose croire que vous allez revenir sur vos pas. Voilà. Parce que prenez l'exemple sur Zota et Fallon et sa troupe. Voilà. Prenez l'exemple sur ces danseurs-là. Ils n'ont rien envié à certains artistes, je dirais. Voilà. Ils sont très bien payés, ils sont très bien entretenus. Et l'artiste Serge Bedeau prend soin d'eux. Donc, il n'y a même pas besoin de vouloir caler en France. Fallon, comme ça, elle a son enfant qui est en Europe, tranquille. Mais elle n'a jamais eu cette pression-là de vouloir caler en France parce que son enfant est là-bas. Parce que pour elle, c'est son boulot d'abord. Mais on a l'impression que les danseurs de Côte d'Ivoire utilisent les artistes comme canal pour leur Eldorado. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, ils vont venir faire semblant de dire aimer l'artiste, de dire vouloir danser auprès de l'artiste. Et lorsque cet artiste donne la chance de découvrir l'Europe, il lâche cet artiste-là et il rentre en bourse comme on le dit. Moi, je vais dire deux mots à Ruffier Super. Les amis, vous savez, vous avez montré aux yeux du monde ce qu'est votre vie en réalité. Voilà, on peut accuser l'artiste parce que je vais venir sur l'artiste aussi. Mais j'ai l'impression que pour vous, l'Europe, c'est la mer à boire. Or, ce n'est pas le cas.
Vous pouvez demander à Lingo, vous pouvez demander à, comment il s'appelle, Bébé Kéro, vous pouvez demander à ordinateur même qui s'en sort mieux. Ils vous diront que c'est vraiment pas facile l'Europe. Déjà que vous n'êtes pas en situation régulière, vous êtes en fuite. Ici, il suffit simplement que votre artiste, s'il a de mauvaise foi, vous signale à l'ambassade. Ils vont vous chercher. Vous allez beau vous cacher, ils vont vous chercher, ils vont vous retrouver. Mais je sais qu'il ne va pas faire ça. Voilà, parce qu'il s'est dit que même si vous l'avez lâché, il n'a pas ce cœur noir là pour pouvoir vous signaler à l'ambassade pour qu'on vous rapatrie. Vous pensez que c'est en Europe seulement qu'on peut se réaliser. Quand vous regardez les otages, les Falun, vous n'êtes pas fiers, vous n'êtes pas content. Elles vont, elles viennent, elles vont, elles viennent. Je ne sais pas combien de fois. Peut-être qu'on est à leur centième voyage maintenant. Elles n'ont jamais eu l'idée de caler là-bas. Parce que vous ne savez pas. Quand vous n'êtes pas intelligent, quand tu es un danseur professionnel, que tu effectues beaucoup, beaucoup de voyages comme ça dans certains pays, quand tu demandes le visa pour un long séjour, on te l'accorde facilement. Et toi maintenant, d'avoir cette intelligence-là, de pouvoir te caser là-bas rapidement pour être en situation régulière. Mais le mec, où actuellement il a besoin de vous, il a besoin de ses danseurs, il a besoin de ses fans, il a besoin de son entourage le plus proche, vous lui foutez ça encore. Souvent aussi, je comprends le dernier quand il dit qu'il a que des traîtres, des malhonnêtes autour de lui. C'est pas faux, vous venez de l'exprimer. Voilà. J'étais dans mon coin, j'avais pas envie de me prononcer dessus, mais comme il y a des personnes très respectables qui m'ont demandé de donner mon avis sur ce cas-là, c'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Vous avez foutu la bête, les gars. Voilà, parce que jadis, vous avez fait une rébellion. Vous avez fait une rébellion comme quoi le mec ne vous payait pas bien. Et comme la vérité triomphe, vous avez fini par venir vers lui demander pardon pour réintégrer le groupe. Malgré qu'il avait de nouveaux danseurs, il a décidé de partir avec un ancien danseur et une nouvelle recrue. Et ces deux-là vont le lâcher en route parce que, comme quoi, il pense que quand tu es en France, ta vie change du jour au lendemain. C'est triste. C'est vraiment, vraiment triste parce que j'ai un peu mal. J'ai un peu mal pour ce dernier-là, mais en même temps pour tous les artistes qui ont été victimes de ça. Voilà. Quand c'est comme ça, vous allez faire. Il y a certains artistes qui vont partir sans leurs danseurs locaux et prendre des danseurs sur le bing pour danser avec eux. Parce qu'on peut, on pourra plus vous faire confiance. Si c'est pour vous prendre pour aller en Europe et puis caler là-bas comme ça, ah, mais c'est mieux de danser avec nous ici et si vous voulez en Afrique. Mais quand on dépasse les frontières de l'Afrique, bon, moi je vous laisse, hein, on va pas ensemble. Parce que vous allez me jurer que vous n'allez jamais caler. Parce que je sais et je reconnais que ces deux-là ont promis à Tidjara Arafat, malheureusement j'ai dit le nom, mais c'est pas bien grave, qu'ils ne voulaient pas caler, mais ils ont fini par caler. Vous voyez un peu, non? C'est décevant, c'est méchant. Actuellement, moi je pense que l'artiste n'a pas besoin de ça. Bien au contraire, il a besoin de vous-même. Donc si je comprends bien votre démo, vous êtes en train de faire toutes vos prestations, que vous avez vos plans en tête. L'Europe, c'est dur, hein? Bengue, c'est très dur. Quand tu n'as pas la chance, tu peux devenir SDF là-bas. Hein? Voilà. Parce que le noir, surtout le noir prolétaire, a toujours ce complexe-là de penser qu'il peut se réaliser à l'extérieur. C'est bien d'aller à l'extérieur pour se réaliser, mais qui te dit que quand tu restes ici, tu ne peux pas te réaliser? Voilà, aujourd'hui, Zota, la grande émission samedi qui est diffusée sur la RTI, lui a rendu un hommage en faisant un spécial Zota. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui l'ont vu à travers le monde. Voilà. Pour ça seulement, elle peut aller dans n'importe quel pays du monde et puis elle va pas crêcher. Il suffit de montrer un peu son parcours avec les preuves. Elle va pas crêcher. Vous êtes dans une mentalité de genre, oh, lui là, il est dansé derrière lui. Lui là, il est dansé derrière lui. Le juif, il fait une erreur là. Moi, il est calé là-bas. Bon, t'as calé là-bas où? Tu penses que ta vie va changer? Bien au contraire, hein? Vous devez demeurer fidèle à l'artiste jusqu'à un certain âge et puis vous lui demandez la permission. Que, ah, l'artiste. Non, mais c'est chercher, hein. Faut nous aider. Il va dire, il n'y a pas de drap. Mais quand ce n'est pas prévenu comme ça, ce n'est pas intéressant. Moi, je le dis, hein. L'artiste va vous signaler. Maintenant, à vous de nous dire si c'est un problème de salaire encore. Parce que je ne peux pas comprendre que vous brillez comme ça. Parce qu'on vous a vu dans votre début. Ouais, c'est ça aussi la vérité. On vous a vu dans votre début. Le mec, il vous nettoie comme il peut. Voilà. Mine de rien, c'est lui qui chante. C'est vrai que c'est vous qui faites le spectacle, mais c'est lui qui chante. C'est lui le sujet principal d'abord. Voilà, c'est pas vous. Lui, il essaie simplement de vous aider. Parce que dans votre situation antérieure et puis dans votre situation avec lui, il y a une nette différence. Ce n'est pas la même chose. Non, ne venez pas nous parler encore des salaires. Parce que vous avez déjà eu un problème des salaires. Et puis, vous êtes venu demander pardon. Si vous êtes venu demander pardon, c'est parce que vous jugez bon et vous trouvez juste que le mec, il vous prend bien. Donc, quand vous agissez ainsi, c'est vraiment méchant. C'est inadmissible et inacceptable même. Voilà, moi, je ne peux pas concevoir ça, quels que soient les arguments. S'il y a un problème de trucs, de salaire, vous discutez avec l'artiste. Vous discutez avec l'artiste ou soit vous vous retirez de lui. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin de vous comme danseur. S'il ne vous arrange pas, vous quittez derrière lui. Mais au lieu de le lâcher en route comme ça, où il est tout seul, c'est-à-dire vous avez fini de faire vos spectacles, vous avez réussi de, c'est-à-dire vous avez fini de prendre votre paye, tous vos jetons, et puis vous vous cherchez. L'argent que vous avez pris là, ça peut pas, c'est-à-dire ça peut même pas vous aider même sur 2-3 jours en banque. Vous savez ça. Et il suffit que des personnes de mauvaise intention vous signalent à l'ambassade. Ils vont vous jeter. C'est pas intéressant. Imaginez qu'on vous rapatrie.
Imagine qu'on vous rapatrie, après d'avoir fui. Ce sera soyez, comme on dit. Ce sera honteux. Moi, si je fais cette vidéo, je me dis simplement que actuellement où on est là, actuellement où le coupé décalé est lancé là, l'artiste n'avait pas besoin de se faire trahir de cette manière-là par ses danseurs, par ses deux danseurs. Franchement, Rufy est super, vous êtes zaï. Vous êtes zaï. Prenez l'exemple sur vos camarades qui sont ici, qui s'en sortent tranquillement. Vous prenez des personnes, c'est vous, votre vie là, on va dire quoi, c'est un échappatoire quoi, c'est vous, bon. On peut rester là-bas, après on va appeler la famille pour dire que bon, on est venu se chercher ici, hein. On va pas rentrer maintenant, rentrer dans 5 ans, mais dans 10 ans. C'est quoi cette vie là? Aucune dignité quoi. Et puis demain vous allez vous réaliser, vous allez parler aussi. Mais le mec va pas toujours non sur vous. Vous allez partir par la petite porte, vous allez partir par la grande porte. Pourquoi penser que c'est quand on cale en bain qu'on devient quelqu'un? Demandez à ceux qui ont calé en bain là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Laisse l'avantage à ceux qui sont là-bas. Et puis peut-être Dieu a fait la grâce, j'ai un papier. Même mettre un papier là, c'est un parcours encore pour avoir l'argent. C'est pas intéressant les amis. Franchement, quand c'est comme ça, vous amenez tous ces artistes là à se méfier. Et je ne pense pas que ça va les encourager encore à se déplacer avec les danseurs. Franchement, je comprends. Vous qui dites que par exemple que Debado ne se déplace plus à ces danseurs là, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a été victime de ça. Et ça sera vraiment difficile pour lui encore de se déplacer à nouveau avec certains danseurs, même s'il a bien envie. Il va se déplacer avec vous, vous allez le lâcher là-bas encore. Vous savez pas que vous pouvez créer des problèmes. On peut dire qu'il prend son canal d'artiste pour vous faire rentrer chose, en bing. Kofi a ce problème-là. Papa Wemba a ce problème-là, si vous ne le savez pas. Eh les amis, vous êtes zaï, vous êtes vraiment zaï. Vous, par exemple, les fans de la Yorogan qui vous moquez des Bordeaux, il ne va pas se danser, il ne va pas se danser. Vous voyez un peu comment les danseurs se comportent. C'est pour tout ça là que nos artistes ils réfléchissent 10 fois avant de partir à les danseurs. En tout cas, c'était mon avis. J'espère que j'ai été clair. Mais je suis beaucoup, beaucoup dessus par ces deux-là. Parce que je les appréciais bien en tant que danseur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Attraper une blanche, vous marier, avoir les papiers, c'est ça votre vie? Ou bien danser dans les boîtes de nuit? Vous vous rêvez votre vie là, vous n'avez aucun diplôme, aucun niveau, vous n'avez rien, aucune connaissance parce que bon, les connaissances que vous avez sont en relation avec votre artiste. Et si ça vous allez tourner, c'est pathétique les amis. Voilà, c'est mieux. Vous allez appeler l'artiste, vous allez lui écrire, vous allez rentrer. Même si vous dites de rester en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Vous allez rester digne, vous devez toujours ces artistes. Et ces danseurs. Franchement, vous avez zaï. Vous avez vraiment, vraiment zaï. C'était Riton. Ciao, ciao. Partagez la vidéo.